Bienvenue dans le podcast À propos, je suis Fabio Moraes. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, nous accueillons Milan Kalajic, CEO du Mosaïque Restaurant à Crans-Montana. Milan est un jeune entrepreneur, diplômé de l'école de commerce de Serres ainsi que l'école hôtelière Les Roches à Bluche. En 2017, il décide de rejoindre l'affaire familiale et ouvre son propre restaurant, Le Mosaïque. Alors je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas de laisser des likes et des commentaires. Pour plus de détails, dans la description, si je vous bonne écoute. Bienvenue à tous, Maurice Fabio, bienvenue à mon podcast À propos. Aujourd'hui, je suis à la rencontre de mon vieil ami Milan Kalajic. Salut. On était à l'école ensemble, donc je connais ce gars depuis très longtemps. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, qui n'a pas jamais changé, qui est toujours resté lui-même. Là, on est dans son restaurant Mosaïque à Crans-Montana, fin de soirée, pandémie, et avec la neige. Donc c'est un peu calme, donc il a un peu de temps pour moi pour discuter. Son parcours, fait l'école obligatoire avec moi en classe. Donc ça, je ne vais pas donner de détails, hein, c'était pas un élève sage. C'est mieux pas. Mais on va dire qu'il animait bien. j'étais plus animateur que restaurateur à l'époque. Ouais, il faut commencer par là. Animateur, ensuite tu as fait l'école de com, stage MPC, école des Roches. Je te laisse plutôt toi résumer, donc okay. Parcours. Comme tu l'as dit, on a fait l'école à Crans-Montana ensemble. On a passé comme on a passé pour aller plus loin. J'ai fait l'école de com à Sierre. J'ai fait pendant pas mal d'années parce que c'est pas très fort à l'école de base. Entre nous, est-ce que l'école de com, c'est bien ? C'est bien, oui, c'est bien. Je pense que je suis là aujourd'hui aussi grâce à l'école de com. Je ne peux pas non plus jeter la pierre à l'école de com ou à l'école ou au système éducatif valaisan parce que je pense que c'est une étape à passer. Il m'a fallu un peu plus de temps parce que j'ai quand même, honnêtement, je vais vous dire, j'ai redoublé 2 ans. Mais honnêtement, j'en avais besoin. Il y a des gens, ils sont plus matures plus tôt. Il y a des gens, ça vient encore plus tard que moi. Donc, je pense. Je connais certains qui l'ont fait en 10 ans. Presque. Ouais, il y en a qui l'ont fait en plus. Donc, c'est pas. Après, c'est vraiment pas une question d'année. C'est juste qu'il faut. Voilà, quand on se lance dans un projet, il faut essayer de le terminer. En tout cas, c'est mon point de vue qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas. Et puis. Moi, tout seul, et puis surtout mes parents m'ont toujours poussé à terminer ce que j'avais commencé. Et là, j'avais commencé l'école de com, même si j'avais redoublé 2 ans, ils m'avaient dit que je devais terminer. Et je l'ai terminé, j'ai fait ma maturité professionnelle après. Enfin, j'ai fait l'armée, ensuite ma maturité professionnelle. Et puis, je pense, grâce au temps que j'ai eu, grâce aux échecs que j'ai eus, ben, je savais que je ne voulais plus échouer. Et puis, je me suis fixé des objectifs qui étaient un peu plus élevé après et qui me permettent d'être là aujourd'hui. Donc le fait d'échouer, toi tu l'as pris comme une leçon ? Moi je l'ai pris comme une leçon et j'ai aucun regret. Et puis je pense que beaucoup d'entre nous devraient apprendre à échouer au fait. Okay. En fait on ne se rend pas compte le bien que ça nous fait, pas sur le moment, mais plus tard en fait on s'habitue, on ne crée pas des perdants. Mais en fait, on crée des gens qui vont se relever d'une étape, d'une épreuve. Donc, et le plus dur, c'est de se relever, de se dire, parce que j'ai redoublé la première. Honnêtement, je ne faisais pas grand-chose, mais j'ai redoublé la première, j'ai redoublé la deuxième. Et la question était dans la famille à se dire, est-ce qu'il est fait pour l'école ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et enfin, moi, je me posais la question et mes parents ils disaient, non, maintenant, tu as commencé, tu as perdu 4 ans de ta vie à cette époque-là, et puis maintenant tu dois terminer, t'es plus de la moitié de la scolarité, maintenant tu dois terminer. Et je l'ai terminé, la dernière année je ne l'ai pas redoublé parce que je pense que j'ai eu un mini déclic, et voilà, ensuite quand on se fixe des objectifs, je pense, oui, début d'année, si je me souviens bien, je me disais, ok, maintenant cette année je la passe sans redoubler, et sans beaucoup plus d'efforts, j'ai réussi à passer. Et juste avec un minimum de volonté, je pense qu'on a beaucoup de choses. Plus focus sur l'objectif, peut-être. Ben, tout simplement, ouais. Tout simplement, il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on a fait. Moi, c'était les échecs des 2 années précédentes. J'acceptais plus d'échouer. Et puis, je me suis dit, non, maintenant, je vais passer. Et puis, je vais passer.
Genre moi, j'ai fait employé de commerce, CFC, et puis moi j'ai mon beau-frère qui faisait, enfin avec toi, l'école de com. Et puis quand on discutait de matières qu'on avait à l'école, bah, on avait des similitudes. Bon, vous alliez beaucoup plus loin dans la compta, par exemple, ça allait pour une compta d'une grosse société, peut-être de 20, 50, même 100 personnes. Mais par exemple, s'il y a un jeune là qui nous écoute et qui a peut-être des rêves ou des projets plus tard, est-ce que tu penses que l'école de com, c'est une option intéressante? C'est une option intéressante. Après, honnêtement, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Parce qu'en tout cas, je parle pour moi, moi j'étais dans un âge où je ne savais pas ce que je faisais à l'école de com. Mais si on m'avait mis dans un apprentissage, peu importe lequel il était, je pense que je n'aurais pas trouvé ma place non plus. C'était pas, moi, je pense que c'était une question de maturité. C'est une question de beaucoup de choses. Ça fait partie de la vie. Et je pense juste que quand on commence quelque chose, si on est sûr depuis le début que ce n'est pas fait pour nous, même si on a commencé, c'est sûr, il faut arrêter. Il ne faut pas insister sur des choses sur lesquelles on n'est pas fait. Mais égal le parcours. Le parcours, il va être dur sur des points plus que d'autres. Moi, j'ai eu de la chance, je n'avais pas d'autres problèmes, en fait. Que l'école, je n'avais pas d'autres problèmes. Mes parents travaillaient 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pour faire en sorte que nous, on n'avait pas de problème, mon frère et moi. Donc, le seul problème, c'était l'école. Et même là, on ne trouvait pas notre place. Donc vraiment, il faut que ce soit l'école de com, que ce soit un apprentissage, que ce soit égal. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Je dis, il y a des étapes dans la vie. Des fois, ça prend un peu plus de temps chez quelqu'un, ça prend un peu moins chez d'autres. Mais faut juste continuer. Et puis, le jour où vous avez un objectif, ben, il faut juste foncer, en fait. Tête baissée, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas trop écouter les autres. En général, ça va fonctionner. Après, il faut donner... Faut donner du sien. Moi, j'ai eu de la chance à l'école de com. Quelque part, j'ai toujours eu un peu de facilité et j'ai toujours joué sur cette facilité que je n'avais pas besoin de beaucoup étudier et je n'avais pas besoin de beaucoup travailler. Mais j'ai quand même redoublé avec une certaine... Bon, peut-être facilité, ce n'était pas le mot, mais avec une certaine... je sais pas, peut-être audace, mais je me disais, non, je ne vais rien faire à l'école. Et c'est vrai que je ne faisais rien. Doublé trois années j'ai passé mais voilà, c'était juste des fois juste avoir en tête l'objectif, savoir qu'il fallait 4 pour passer. Ben, honnêtement, j'ai pas fait beaucoup plus la troisième année, mais j'ai pas plus de problèmes. Ouais. Tu parlais de tes parents. Moi, ce qui m'a toujours marqué, toi et ton frère, hein, c'est que par exemple, les étés, on était scolarité obligatoire, bah tu vois, nous on était tous tous les gamins jouent au foot, faire du skate, faire des conneries. Et ben, souvent, toi et ton frère, ben, vous étiez devant le restaurant à faire les glaces, à toujours donner un coup de main. Ça, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu participais à l'entreprise, ben, ça t'a amené quelque chose? Oui, énorme. C'est ce qui te donne goût, peut-être pas au travail, mais tu sens qu'il y a une obligation derrière. Tu sens que ben, nous... Moi, je ne comprenais jamais. Je n'ai jamais compris jusqu'à, je pense, mes 20 ans, pourquoi moi, je devais travailler et pas mes amis. Donc, moi, j'ai commencé à nettoyer les verres. Je ne sais pas quel âge j'avais, je dirais. Je dirais comme ça, au bol, 12 ans, dans le restaurant de mon père. Et je faisais la vaisselle. Et je ne comprenais pas pourquoi tous mes amis en classe allaient faire, comme tu disais tout à l'heure, du skate, allaient jouer au foot. Allaient... Et moi, non. En fait, moi, je devais terminer la vaisselle avant d'aller jouer au foot, ouais. Avant d'aller faire du skateboard, avant d'aller rigoler avec mes amis. Et je ne comprenais pas jusqu'à l'âge de 20 ans, même, ouais, je pense 20 ans. Et en fait, aujourd'hui, ben, ça m'est resté. Parce que tant que je n'ai pas terminé un travail, je sais que je ne peux pas passer à aller boire un apéritif, ou je peux pas aller jouer au golf, ou égal, je peux pas prendre mes activités de loisirs. Donc, je pense que c'est quand même resté. Je pense que c'est une école de la vie, et je pense qu'on devrait quand même, tous les jeunes, on devrait faire des, que ce soit des stages, que ce soit des... Commencer tôt, pas à travailler, mais à expérimenter le devoir, en fait. C'est juste le devoir, ok,
tu entreprends quelque chose, tu dois terminer ensuite. Que tu sois obligé ou pas, dans la vie, on doit travailler. Ouais. On est obligé de travailler. Pour vivre, pour survivre, on est obligé de travailler. Ouais. Donc, moi, ça ne change rien entre maintenant et quand j'avais 12 ans. Parce que je devais, entre guillemets, hein, je ne travaillais pas, je travaillais pas 10 heures par jour. Non. Mais je faisais quelques heures par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'il faut travailler avant de, il faut accomplir ses tâches avant d'entreprendre des loisirs ou entreprendre une activité extra. Et je pense aujourd'hui, quand on est adulte, ben, on comprend assez bien. Moi, je trouve, ce qui est bien, c'est qu'il vous a quand même impliqué dans le business de la famille. C'est ce que c'est. Parce que je me rappelle, j'ai aussi des souvenirs, ben, tu as des clients, tu les connaissais, tu les saluais, tu savais leur demander comment ça va, t'avais la discussion, tu vois. Et pour ton âge, bah, c'était déjà une compétence que nous, qui traînions dans la rue à jouer, bah, on faisait pas ça, tu vois. Donc, Nagoté, ça vous a quand même instauré, ça vous a donné certaines compétences, tu vois. Oui, aujourd'hui, bah, t'as plus de facilité à accueillir tes clients, à discuter, à entretenir des relations, quoi. C'est sûr, des compétences, donc, des valeurs. Les parents, ils ont quand même implanté la graine. Et puis, je trouve que c'est top, quoi. Exact, ça. C'est pour ça. On a dû très vite parler aux gens. Tout bien, papa, il nous obligeait de saluer, va le saluer. Et nous, on le regardait. Et on lui disait, mais papa, on ne connaît pas. Et il disait, c'est pas grave, va le saluer, va dire bonjour. Alors, on était obligé d'aller à la table où il était servi et aller lui dire bonjour par son nom de famille. Est-ce que tout allait bien? Et c'était, pour nous, c'était une obligation avant. Et aujourd'hui, c'est devenu pas un business, c'est un plaisir aussi aujourd'hui. Mais c'est aussi, j'imagine c'est aussi certains clients, un service après-vente. Certains clients, tu les as salués à l'époque. Aujourd'hui, ils viennent manger chez toi. Exactement. Du coup, tu vois, c'est... Oh oui, il y en a beaucoup qui ont gardé même le souvenir, qui nous racontent, je me souviens, quand tu faisais la vaisselle au Michelangelo. Et c'est marrant. Tu vois, nous, on se disait, pas de bol, les pauvres, machin. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, moi, j'aurais aimé, tu vois, aussi. Pas forcément que mes parents, ils sont en business, mais que, par exemple, ma mère, elle me dit, tu viens m'aider ce jour-là, au lieu d'aller. C'est bien aussi de jouer, il faut vivre son enfance, tu vois, mais on va passer plus de temps dans notre vie à travailler qu'à être enfant. Donc, si on peut déjà acquérir quelques compétences, quelques expériences, c'est une bonne chose. Ma mère, elle m'avait proposé plusieurs fois, mais j'avais mieux à faire. C'est sûr que si on m'avait proposé, même à moi, parce que mes parents me laissaient pas trop le choix, mais j'aurais dit non aussi. Mais c'est pour ça, je pense, que ce côté des stages, ce côté des vacances scolaires, des jobs d'été, des jobs d'hiver, je pense qu'il faut impliquer les jeunes aujourd'hui. Je dis que ce soit aujourd'hui, que c'était à mon époque, ça ne change à rien parce que, en fait, c'est juste un avant-goût. Et puis, en fait, ouais, c'est exactement comme tu as dit, c'est des compétences que tu acquiers quand tu ne t'en rends même pas compte, en fait. Parce que tu te sens obligé de faire ça. Ouais. Donc, tu vas le faire, tu le fais une fois, tu le fais 20 fois. Honnêtement, quand tu es jeune, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Ouais. Tu ne te rends pas compte. Et en plus, quand tu commences à travailler, quand tu as besoin de ça, ben, en fait, c'est tout simplement naturel. Et c'était beaucoup plus facile à parler, à communiquer avec les gens, à vendre un produit, à recevoir un commentaire négatif, disons. Ouais. Un commentaire négatif d'un client ou une plainte, exactement. Ouais. Tu le prends beaucoup plus facilement parce que tu as été mis très jeune face à certaines responsabilités qui, à l'époque, tu ne t'en rendais même pas compte et qu'aujourd'hui, en fait, tu les comprends. Et ouais. C'est vrai que tu les comprends beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui doit passer par là à 30 ans, à 40 ans, quand tu commences à travailler. Du coup, tu n'as pas tout ce bagage et tu te retrouves là à faire tout ça. Et puis, écoute, c'est comme les langues. Ça ne paraît pas naturel. Tu parles portugais, je pense, presque parfaitement. Non. ou presque, mais je pense que tu parles bien le portugais. Même si non, je parle bien, je manque de pratique. Mais c'est comme moi, le serbe, mes parents sont serbes. Mais par contre, tu as quand même une autre langue. Oui. Donc, demain, si tu vas apprendre l'espagnol, si tu veux bien apprendre le portugais,
pour toi, ça va deux fois plus vite que pour quelqu'un qui part à zéro et qui parle que le français. Oui. Donc, ça va juste deux fois plus vite. Et c'est des connaissances que tu prends quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Tu dis, mais pourquoi je suis obligé de parler portugais quand on est à table? Ou moi, c'était la même chose. Mais pourquoi à la maison, on doit parler serbe? Et en fait, tu te rends compte que quand t'as un client serbe et que tu connais pas des mots, t'es gêné de pas savoir. Ouais, parce que tu dis, mais... Ah mais mince, en fait c'est parce que quand j'étais jeune, je voulais pas parler à table la langue que mes parents me disaient de parler. Ouais. Et en fait, tu oublies des choses, tu perds des choses parce que on t'a pas des fois assez obligé quand en fait t'es inconscient du bien que ça fait dans le futur. En fait. Donc, résumé, écoutez vos parents. Donc, il faut beaucoup écouter. Ouais. En tout cas, moi, j'aurais dû beaucoup plus écouter, je pense, que j'aurais redoublé beaucoup moins. Ah, je pense que tu es... Mais, sur la peine moyenne, je pense que tu dois être un de ceux qui écoutaient le plus. Ouais, je pense à la fin, mais après... J'ai pas le choix. Après, sûrement aussi, mais oui, il faut écouter. Et puis égal, il faut prendre... Honnêtement, il faut juste que aussi les parents soient un peu plus stricts, mais pas stricts dans une certaine... Pas strict pour être strict. Voilà, exactement. Pas strict pour dire, dire des choses bêtes, mais sur les langues, sur le travail, sur la propreté, l'hygiène de vie, c'est des choses qu'après, on n'a plus besoin d'apprendre. Ouais. Après, une fois qu'il y a le corona, on oublie de porter le masque. Enfin, pour nous, ça va être logique de porter le masque, qu'on soit d'accord ou pas, mais on aura l'habitude que quand quelque chose ne va pas, de réagir tout de suite. Mm-hmm. Alors que quand on laisse un peu au pif les jeunes ou les gens, ben les gens commencent à trop réfléchir. Et puis, en tout cas, dans la réaction, je ne parle pas de après la réaction, mais en tout cas dans la réaction, quand il faut réagir tout de suite, je pense qu'on réfléchit beaucoup trop. On se dit, est-ce que c'est juste, c'est pas juste. Alors qu'au début, on devrait le faire tout de suite. Et ensuite, on devrait se poser les questions, OK, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était pas juste, est-ce que, OK, ça, je peux corriger, ça, je peux... parce que ça nous aide beaucoup. Parce que les générations avant, c'est des choses que... Nous, d'office, on ne sait pas. Oui, ils ont eu la même expérience que nous. Donc, voilà. Ils ont échoué, ils ont réussi, ils ont le bilan, et puis ils savent qu'il faut réagir comme ça, il faut faire ci. Et de toute façon, on n'aura pas envie d'écouter, puis on fera les mêmes conneries, puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est pour ça qu'ils doivent être stricts et qu'ils doivent continuer à être stricts. Et c'est juste pour le bagage, en fait, pour remplir le sac à dos que... Le jour où tu vas vivre tout seul parce que tu as décidé d'aller travailler en Inde, ben, tu auras déjà le sac à dos plein. Parce que si tu vas vide et que tu te rends compte que la vie en Inde, c'est ça la vie, ben, je pense que tu vas te poser beaucoup plus de questions que si tu as déjà un bagage qui est bien rempli. Ben, j'ai eu ça un peu comme expérience quand je suis parti à Londres. Je suis pas parti dans une école. J'ai loué un appart avec ma femme, ma copine à l'époque. Bon, t'as l'habitude de vivre ici à Cran, un certain confort, tu vois. D'un coup, tu te retrouves dans une des plus grandes villes du monde où il y a pas de pardon, c'est business, quoi. C'est les affaires, c'est chaque journée, il faut que ce soit le plus profitable possible. Et j'ai travaillé dans la restauration là-bas. Et pardon, un jour, t'es pas en forme, mais c'est get your shit together, quoi. C'est remets-toi et au boulot, quoi. Tu nous fais perdre du fric, tu nous fais perdre des clients. Alors qu'ici, j'ai déjà, un jour, t'es pas en forme. Ça se comprend, ça s'accepte. Il faut une bonne journée, c'est pas grave. Demain, ça va aller mieux. Dans un autre pays, avec notre mentalité, ça sera, tu peux pas. Et ici, t'es là pour bosser, tu y vas, quoi. Alors, la transition, pour moi, c'était dur. Je me rappelle, j'ai perdu du poids. On sait que t'es vite remis et je vois que t'es bien remis. Ouais, là, je suis bien, tu vois. Mais ouais. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une famille d'entrepreneurs? Enfin, ton père et ta mère, ils ont fait le restaurant, ils ont tout donné, quoi. Je me rappelle depuis que je suis petit qu'ils étaient toujours là, toujours à fond. Qu'est-ce que ça fait quand t'es enfant de grandir dans cette dynamique? Quand t'es enfant, honnêtement... Moi, enfant, je comprenais pas tout. Comme tous les enfants, on comprend pas tout. Après, c'est vrai que mes parents, nos parents, je parle aussi pour mon petit frère, on a jamais beaucoup vu nos parents.
dans le sens où ils ont beaucoup travaillé et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de responsabilités et ils sont beaucoup sacrifiés. Aujourd'hui, on comprend pourquoi, parce que c'était pour nous. C'était peut-être à 1% pour leur confort, mais c'était presque tout pour nous. En tout cas, moi, je parle de nous. Et aujourd'hui, on a quand même une certaine pression, c'est qu'on ne peut pas faire pire. Parce que, dans le sens pire, parce que quand tu dis mes parents, les deux, sont venus ici, ils ne connaissaient pas un mot de français. Et quand je dis pas un mot, c'est pas un mot. Et ils ont tout créé à zéro. Et puis, et ils ont réussi. Hein, ils ont ouvert un restaurant, un deuxième, un troisième. Je vais juste faire une parallèle. Ouais. Ce que j'ai toujours admiré chez tes parents, c'est que pour moi, ça c'est un truc vrai. Hein, c'est que quand on est émigré, on a une mentalité d'émigré. Ça veut dire qu'on pense qu'être employé, qu'il faut toujours travailler, qu'il faut toujours être poli, gentil, faire ce qu'il faut au travail. Et ben, je respecte, c'est que tes parents, eux, ils ont décidé de sortir cette mentalité, prendre leur vie en main, quoi. Puis de monter leur business et puis de croire en eux, parce qu'il faut vachement croire en soi, quoi. Parce que ici, ben, on est des immigrés, on est des Serbes, des Portugais, et de se mettre en avant, d'ouvrir son resto, de croire en soi, même, comme tu as dit, ben, pas avec un français parfait, ben, ça, c'est tout dans une mentalité. Je pense que tu as raison, mais à 50%. Okay. Parce que tu as raison dans le sens qu'ils ont dû sortir de cette zone vraiment fermée de « Ok, je suis l'immigré, je dois faire ce qu'on me dit ». Donc, ils ont dû sortir de là. Mais en fait, la différence et le plus, enfin, un des plus qui a été, je pense, ça a été cette partie d'immigré où ils devaient être beaucoup plus gentils que les autres, où ils devaient être deux fois meilleurs que les autres, où ils devaient être… Tout était à double, en fait. Oui. Et il devait faire de tout, il devait en faire, ça devait être tout parfait, non, ça, il ne faut pas, non. Je me rappelle, nous, quand on disait, pour nous, on n'a jamais vu, je dis, on était à l'école, nous, on était des Portugais, que ce soit des Albanais, des Serbes, des Espagnols, nous, on n'a jamais vu aucune différence. Non. On a tous grandi ensemble. Un gros multipot. Exactement. Et puis, étant petits, des fois, je ne comprenais pas quand mes parents me disaient « Non, ça, tu ne peux pas dire à lui. Mm-hmm. » Ou ils me disaient des fois des choses. Je dis « Mais pourquoi ? C'est un ami à toi. » Et en fait, y avait, quelque part, il y avait toujours cette différence, mais cette différence leur a aussi permis d'être plus fort, d'être plus perfectionniste, d'aller chercher les choses beaucoup plus loin que quelqu'un qui était déjà d'ici. Parce qu'ils devaient réfléchir autant pour eux, comme un immigré, comme tu disais, plus quelqu'un qui voulait réussir pour lui. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi, on ne parle pas assez des immigrés. Et ce que tu dis, c'est vrai. Qu'il y a une partie, ta mentalité, ça les poussait à faire encore les choses encore mieux. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, quoi. Exact. Ils n'avaient vraiment pas le droit à l'erreur. Ouais. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et ça a contribué au succès. Et je pense, après de nouveau, ils n'ont pas lâché. Hein. Donc ça n'a pas été facile depuis le début. Oui, beaucoup de sacrifices, j'imagine. Il y avait beaucoup de sacrifices. Comme je vous ai dit, nous, étant jeunes, on n'a pas eu beaucoup de temps, je dis, avec mes parents, même si ils ont quand même toujours instauré des règles à la maison, comme quoi on devait se voir au moins une fois par jour, au moins une heure de temps tous ensemble. Merci. C'était pour le repas du soir, et puis nous on rentrait de l'école et maman faisait à manger, donc on mangeait toujours très tôt, donc c'était bien parce que les Suisses mangent toujours très tôt, donc non, c'était très bien adapté à la mentalité locale, mais je dis... C'était moins 2 heures, repas serbe. T'étais au mésé, en fait. Exact. Mais donc, on devait manger très tôt à la maison, mais ça, on a jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, jusqu'à qu'on commence à étudier à l'université, à l'école hôtelière, on a commencé à voyager, on a toujours tenu ces règles, et encore aujourd'hui, on va manger chez mes parents, on mange ensemble, on boit des fois des verres ensemble. Après, nous, on se voit beaucoup parce qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est plus de sacrifices. Mais à la fin, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts aujourd'hui que je dis, certaines personnes qui étaient nées ici et puis qui ont
pas eu certaines problématiques. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le même profil, quoi. Oui, bien entendu. Mais après, ce n'est pas leur faute. Hein. Non, c'est négatif. Je dis, nous, on est nés. Non, on est, je dis, moi, je suis né ici. Et je ne vois pas du tout la vie comme la voient eux encore aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas la faute. Ni de l'un ni de l'autre, c'était comme ça. Et puis, il fallait s'adapter à la situation. Ils voulaient faire un peu plus. Et puis, ils ont eu de la chance qu'ils ont réussi. Mais c'est clair que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup de sacrifices. Et puis... les temps que vous aviez en famille, est-ce que le business était le sujet de discussion ou vous arriviez complètement à parler d'autre chose et d'avoir une vie de famille? C'était beaucoup, beaucoup le travail. Ouais. Donc, est-ce que ça te dérangeait? Mais écoute, ou est-ce que ça t'a permis je pense qu'on a toujours de comprendre plus comment ça fonctionne un business aujourd'hui? Aujourd'hui, les défis plus, qu'il y a après, quand on est jeune, on ne comprend pas. Ouais, on comprend rien. T'écoutes du nord. On l'entend parler, voilà. Je dis, nous, quand on était jeune, avec mon frère, on ne voulait pas du tout faire ce métier. D'ailleurs, plusieurs fois, en étant plus jeune, on a parlé, tu m'avais toujours dit que ce n'était pas moyen. Jamais de la vie. Moi, j'étais persuadé que si. Mais je pense que beaucoup de gens, honnêtement, je m'en souviens. Toi, tu ne voyais pas, mais nous, on voyait que... Qu'on avait la fibre. Que tu avais la fibre, ouais. Je te crois, et beaucoup de gens nous disent ça, mais nous, on ne voulait pas du tout faire ça, parce qu'en fait, on voyait les sacrifices. Ouais. Et nous, en étant jeunes, on voyait que les sacrifices parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, on ne comprenait pas le quoi du comment. Mais, et on se disait, non, on va faire autre chose, que ce soit être mécanicien, que ce soit être comptable dans les bureaux. Et à la fin, les deux, on fait de la restauration. Oui, mais ce que vous avez essayé, les choses que vous avez fait en dehors de la restauration, ça t'a amené aussi beaucoup aujourd'hui. Oui, bien sûr. Beaucoup, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai fait une année de stage dans une fiduciaire. Ça m'a beaucoup amené. Ça m'a amené aussi la rigueur parce que c'était un travail de bureau, un patron qui était strict mais juste. Et ça apporte beaucoup de rigueur, ça apporte une autre vision. Et non, bien sûr, même les chiffres, le travail de bureau. Ça, c'est bien parce que souvent, moi, je suis dans une compagnie d'assurance, puis je m'occupe que des entreprises. Je remarque certains entrepreneurs, certaines entreprises, la personne n'a pas du tout d'expérience avec l'administratif. C'est trop dur pour eux. C'est vraiment... Un fardeau. Alors, le fait que tu as fait ça, peut-être aujourd'hui pour toi, j'imagine, tu as une manière de travailler, tu sais comment t'organiser, quoi. Ouais, t'as pas peur de l'administratif, il y a une peur de l'administratif sur certaines personnes. Il y a une peur de l'administratif parce qu'il y a une peur de l'inconnu. Et en fait, l'administratif nous prend de plus en plus de temps. Et après, je pense que c'est la bureaucratie d'aujourd'hui qu'on est obligé de... Il y a tout qui est sur papier, il y a tellement de règles qui viennent chaque année, ça change, les papiers changent, les demandes changent, et en plus avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tout ce qui est... Ben en fait, c'est toute l'administration, que ce soit connecté, que ce soit sur papier, égal, mais c'est en fait, c'est plus notre métier. On fait de la restauration, que ce soit de la cuisine, de la salle, que ce soit les deux. Le but, c'est de servir le client au mieux pour qu'il revienne. Et en fait, on se rend compte qu'un jour entier par semaine, on doit faire que du bureau. Et ça, c'est au minimum, un jour par semaine. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui ferment un ou deux jours par semaine. Je parle du Valais, mais ce un ou deux jours par semaine, c'est en général pour faire du bureau. Sinon, les gens s'en sortent. C'est plus possible. Il faut créer les menus, il faut mettre à jour le site internet, il faut créer des posts Facebook, Instagram, il faut faire des newsletters, aujourd'hui il y a tellement de choses, il faut changer les contrats, les demandes changent, et en plus le Covid pour nous restaurateurs qui travaillons pas dans des bureaux, c'est un calvaire. Oh, putain. Les papiers, que ce soit les aides à remplir les formulaires, les calculs qui changent à chaque demande d'aide, de RHT, peut-être je mélange un petit peu, mais c'est honnêtement, pour nous, c'était la catastrophe. Ouais. C'était la catastrophe, et puis nous, on attend juste qu'ils nous ouvrent et qu'on ne veut plus être embêtés. On ne veut plus qu'on nous demande de
de remplir des papiers qui servent à rien, qu'on doit imprimer des règles sanitaires, qu'on doit, on a tellement fait de choses que à la fin on se dit bravo, c'est pour survivre, ok, mais on comprend pas, en fait on fait les choses pour les autres de nouveau, parce que nous c'est un travail de service, on donne un service qui est de la nourriture et des boissons, plus un sourire, plus une petite conversation. Et aujourd'hui, on ne fait même plus ça. On fait, on doit dire aux gens, quand ils nous demandent, on est 8, on doit manger, on doit faire la police, parce qu'on doit leur expliquer comme quoi ils ne peuvent pas être 8 à une table. Des gens nous demandent de venir manger à l'intérieur, maintenant qu'on doit manger qu'en terrasse. On doit leur dire, non, je suis désolé, je ne peux pas. Mais les gens, des fois, ne comprennent pas. Après, ça reste une minorité, mais c'est des choses qu'on n'avait pas besoin de faire avant. Et il y a tellement de choses qu'on doit faire aujourd'hui, mais qui sont pas du tout de notre nature, qui sont pas du tout de notre métier. Et pour nous, je pense que, outre le fait que les restaurants étaient fermés, c'était pas juste la fermeture, c'était tout le travail derrière et toute la pression derrière qu'on nous a mis, que ce soit le takeaway, comme on a parlé tout à l'heure avant de commencer ce podcast, et que ce soit le takeaway, que ce soit juste s'adapter, que ce soit les séparations, que ce soit maintenant l'ouverture des terrasses, il faut commander des chaufferettes, dernière minute. Ouais. Ça nous coûte une fortune, le gaz, il nous coûte une fortune. L'électricité, le gaz, il y a tout qui coûte. Donc, honnêtement, nous, on espère juste que dans 1-2 mois, égal, maintenant, combien de temps ça prend, parce que je pense que maintenant, on est dedans, et qu'on s'y habitue presque, ce qui est triste, parce qu'on bientôt, le temps qu'ils ouvrent, on aura tous oublié de faire notre métier, et ça va être beaucoup plus dur de reprendre ça à 100%. On espère juste le jour où ils ouvrent, qu'ils nous laissent tranquilles, que ce soit les limites, que ce soit les séparations, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils enlèvent tout et qu'on recommence à 100%, parce que... À un moment, c'est aussi aux gens d'être d'évaluer et d'être responsables. S'ils sont à risque, ils ne vont pas manger. Et puis qu'on laisse les gens travailler, parce qu'on ne peut pas forcer... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Moi, je trouve que la restauration, là, ça a été pris d'assaut. Et puis... mais c'est exactement ça. On a été pris d'assaut. Il fallait trouver l'industrie pour justifier des mesures ou je ne sais pas quoi. Et après, moi, je veux pas juger. Je pense que c'est très compliqué. Non, que ce soit politique. Je ne dis pas qu'on ferait mieux. Soit... Exactement. Donc, je veux pas juger. Je veux pas être... C'est vrai qu'il y a une période où honnêtement, je comprenais vraiment plus. Je me disais, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait au système dans lequel on vivait. Je me disais, la Suisse, c'est un paradis. On vit, c'est un pays sûr, c'est un pays où le travail est mis en avant, où le mérite est mis en avant. Et en fait, on voit qu'à la première difficulté, donc la première crise, on inverse d'un coup les rôles. Ouais. Et on comprend plus et c'est vrai qu'à un moment c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on se dit mais c'est plus fait. Que même en Suisse on fait ça, alors que pour moi j'aurais défendu plus que tout le système éthique, mais bon, aujourd'hui on prend un peu de recul, on dit que c'est quand même pas facile pour eux non plus. Si on a la chance de survivre, on continuera à se battre comme on s'est battu jusqu'à aujourd'hui, et on s'adaptera. S'il faut faire du takeaway, s'il faut faire des cuisines fantômes comme dans les villes, s'il faut faire honnêtement, on s'adaptera, donc ils ont qu'à nous tirer dessus. Ouais, j'espère pas, parce que moi, ce que j'aime en tant que client, quand je vais manger quelque part, c'est l'expérience. Je supporte pas quand je vais manger quelque part que voilà, tu t'assieds, tu manges, et puis qu'il n'y a pas une atmosphère. Et ici, chez toi, je sais que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant. Et puis, quand on va manger dehors, déjà qu'on paye, c'est-à-dire si on va dehors manger, qu'on paye, c'est qu'on fait une autre expérience qu'être à la maison. Exactement. Donc, sinon, on se fait du takeaway, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Exactement. C'est pour ça que je pense que j'espère que ça ne va pas dénaturer la restauration, parce que dis nous, on est promoteur de plaisir. On n'est pas, nous, tu viens pas juste manger quelque chose que tu vas faire à la maison. Sinon, tu viens pas chez nous. Si c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour venir là et pour manger la même chose que tu te fais à la maison dans des conditions pareilles qu'à la maison, tu vas pas manger au restaurant.
Et j'espère pas qu'on aura créé ça avec la crise. Et j'espère quand même qu'on va continuer à se donner de la peine, à bien sortir les assiettes, à bien cuisiner de la bonne nourriture. Je dis fraîche, que ce soit de la viande, du poisson, des fruits et légumes. Je dis c'est tout bête. Et puis on n'est pas les seuls qui payons. Payons la situation. Donc il y a beaucoup de secteurs qui sont liés à la restauration et j'espère qu'on va pas tous payer ça parce que pour nous ça va être très 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 compliqué. Je pense que vous allez faire le tour. Puis là, comme je vois, dans ton parcours, tu as fait l'école des Roches, donc c'est une école internationale d'hôtellerie à Bûches qui est renommée. Si tu arrives un peu à me faire un peu ton expérience, qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller dans cette école? Alors, si on prend depuis le début, ben, justement, je faisais mon stage à la fiduciaire et mon stage de maturité professionnelle et je me suis retrouvé dans le bureau un jour devant mon ordi à faire ce que je devais faire, bien ou mal, je sais pas du tout, mais j'avais des tâches à accomplir et je me disais, c'est pas du tout moi, ça me ressemble pas, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et d'un coup, honnêtement, j'ai pris peur et je me suis dit, moi, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Je ne peux pas rester derrière un ordinateur. Et ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne savais rien faire. Je n'étais pas bon en dessin. Je n'étais pas bon Ça, c'est pas vrai. Je me rappelle de tes dans. dessins à l'école. Répétez de Mais. balleure. Mais honnêtement, je n'avais rien de. Enfin, quelque part, j'avais pas un talent, j'avais pas forcément une passion à part peut-être le sport, le foot. C'est vrai que j'ai toujours aimé le sport, mais et j'avais pas de passion. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire en fait? Est-ce que je commence quelque chose à zéro que je sais même pas si ça va me plaire ou pas? Ou alors, je me posais la question, le seul truc que je sais faire, un petit peu, en tout cas la vaisselle et servir des verres à table, c'était la restauration. Et La je me suis boucle dit, qu'est-ce que. bouclée. La boucle était Ouais, bouclée, quoi. exact, exact. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, une fois, je parlais à mes parents et ils m'ont dit, je sais plus, c'est eux qui m'ont proposé ou c'est moi qui ai dit, je me souviens plus. Et on a parlé de l'école hôtelière, c'est venu sur la table, sujet de conversation, on a parlé quelques fois et puis ensuite on a envoyé les inscriptions. J'étais pris à l'école des Roches et voilà, avec un objectif que vu que j'étais pas doué à l'école, je me suis dit voilà, pour moi c'était un objectif. Je voulais plus décevoir mes parents parce que je sais que c'est un gros investissement. C'est une école privée en plus. Et puis je me suis lancé et avec l'objectif comme quoi je devais terminer et je devais bien terminer. Et j'ai très bien terminé l'école hôtelière. J'ai pas redoublé une année. Mais c'était une expérience, honnêtement, c'était une des plus belles expériences que j'ai eues jusqu'à présent parce que c'était en fait. C'était l'école qui m'a fait sentir mes responsabilités, en fait. La première année, on arrivait à l'école hôtelière. Ils nous disaient depuis le premier jour, si vous n'êtes pas prêt à travailler au minimum 10 heures par jour, 6 jours sur 7, il faut arrêter. Ils mettent le temps direct. Donc, ils disaient ça tout de suite. Ouais. Et moi, j'ai vu ça toute ma vie, en fait. Toute mon enfance, je voyais mes parents travailler. Bosser à fond. Donc, pour moi, je me disais, ah, mais ça me correspond. Parce que, exactement, je connais. C'est familier. Non, et je me suis dit, ça c'est pour moi. Et honnêtement, je me suis donné à fond, sans trop en faire, parce que je suis pas quelqu'un. J'ai très bien étudié, j'ai passé avec des bonnes notes, mais j'étais pas le premier de classe parce que j'ai jamais voulu être le premier de classe. Je pense que ça me ferait peur d'être je sais pas le premier de classe parce que j'aurais peur de plus avoir à apprendre en fait. Même si même en étant premier, on continue à apprendre, mais je pense que on a toujours à apprendre. Être premier classe, ça sert à quoi? À part assouvir son ego.
Ouais, Dans le ouais, c'est futur, vrai, c'est vrai. dans le monde C'est professionnel, vrai. personne ne va t'engager parce que c'était premier Ça, si, classe. c'est juste. Mais tu vois, Moi, je connais des premiers classes à l'école et puis aujourd'hui, Et ils ne puis, sont pas ouais, c'est ça. forcément prêts au Ou plus succès. heureux, C'est ou libre à chacun plus. l'interprétation du Exactement, succès, mais bien sûr. ça ne veut pas dire que plus tard, tu auras beaucoup de facilité ou tu vas t'en sortir plus facilement. Ouais, c'est clair. Et non, j'avais à peu près la même pensée que toi. Puis Et ça t'a amené quoi, cette école? ça, écoute, ça m'a amené une ouverture d'esprit. En fait, vu que c'est une école internationale, il y a des étudiants du monde entier. Mais quand je te dis du monde entier, il y a des pays que je connaissais même pas l'existence, que j'ai appris là à connaître des gens, j'ai appris des langues, j'ai appris Je une pense eux, ils n'ont culture, jamais j'ai entendu le appris. pays d'où tu viens aussi. Mais j'ai appris tellement de choses en dehors juste des cours. Les cours m'ont beaucoup servi. Les cours sont très très management. Mais en dehors des cours, c'était vraiment un melting pot que je connaissais pas. Et je pense que je vais toujours rechercher parce que, comme on disait au début, nous on a vécu avec que ce soit des Portugais, que ce soit égal quelle nationalité, nous on n'a jamais fait la différence. Alors qu'on était différents, mais sans le savoir, parce qu'on a vécu dans un pays qui, à la base, n'était pas le nôtre, alors que nous, on pense toujours, moi je me sens suisse comme serbe, honnêtement, comme une autre nationalité, parce que honnêtement, j'ai pas de limite par rapport à ça. Et j'ai trouvé magnifique les langues, et j'ai tellement trouvé de choses à apprendre que, en fait, les connaissances sont illimitées. En fait, il y a pas de, y a, si on croit tout savoir, on est loin du compte, parce que il y a, je sais pas combien de langues sur cette terre, il y a, je sais pas combien de cultures sur cette terre, il y a, je sais pas combien de je parle de cuisine, et il y a, je sais pas combien d'ingrédients sur la terre que peut-être de notre vivant on verra jamais. Ouais, j'ai eu la soif d'apprendre, en fait. La soif de me dépasser, la soif d'apprendre, la soif de voyager. C'était ton environnement, bah, que tu aimais et qui te Exactement. motivait, et Exactement. puis tu sais pourquoi tu le faisais, quoi. Exactement. Et puis, tu sais, je ressens des fois le manque en étant à Crans-Montana en Valais. Après, on a de la chance à Crans-Montana, c'est que on a quand même pas mal de gens de l'international qui viennent en vacances, par exemple, ou qui sont même installés à Crans-Montana. Mais c'est vrai que je ressens encore de temps en temps le manque de cette découverte, de la langue, de cette découverte d'une culture, d'une religion, d'une. Enfin, je dis, l'autre jour, on a eu un client. Il est venu à 20h ou 20h moins quart, ils ont commandé à manger. Il nous disait, il ne faut pas nous servir avant 20h30. Nous, ça nous était jamais arrivé. On s'est dit, mais pourquoi? Et ensuite, on lui a demandé, il nous a dit, c'est le ramadan, je ne peux pas manger avant 20h30. Et je trouve tellement beau ce fait de. En fait, enfin, moi, je l'ai perçu comme une. Transmet quelque part, on ne transmet pas, mais oui, c'est un, je sais pas, c'était comme un canal envers une autre culture que, en fait, qu'on n'a pas là, ici tous les jours. Et quelqu'un qui respecte le ramadan, voulait pas manger avant le coucher de soleil qui est indiqué, je connais pas plus le T'as temps la personne en l'islam, face et mais tu vois son et expérience, quoi, puis tu exactement. partages, quoi. Alors que quand on le voit, la personne habillé normalement, je dis, enfin, il n'y a pas de pas normal, mais dans le sens, au début, on s'attend pas et on comprend pas tout de suite. On dit, mais pourquoi il veut attendre une demi-heure alors qu'il est venu manger, il fait froid dehors? On C'est comprenait quoi, pas c'est tout un de suite. test? C'est une blague? Exactement. C'est un piège? On comprend pas tout de suite. Et le fait, en fait, et ça, honnêtement, moi, ça me fait tellement du bien parce que c'est juste de se dire, et ensuite, tu t'intéresses et tu vas regarder maintenant de temps en temps. Je vais regarder l'horaire, j'ai eu, oui, encore un client qui est venu par après et qui nous a fait la même chose, mais c'était une question de 10-15 minutes. Mais c'est vrai que des fois, maintenant, je vais regarder les horaires du coucher de soleil. Mais juste comme ça, une question juste de culture, de Culture générale, connaissance, ouais. juste de savoir, en fait. Et
Et ouais, ça, je trouve magnifique. Et c'est quelque chose, des fois, qui manque à Caen, que j'ai besoin d'encore plus. Même si on a beaucoup de cultures différentes, que ce soit par rapport aux restrictions alimentaires, que ce soit par rapport à je sais pas, il y a beaucoup de conditions des fois, mais ouais, c'est trop beau. En Je plus, partage on a des. moins, vu que le Covid, bon, on avait Ah, beaucoup de maintenant, touristes suisses. il n'y avait presque plus, ouais. Donc, on avait Mais aussi impatient surtout qu'on de. était fermés pendant un Oui, moment. en plus, ça fait. Mais non, ça m'a donné tellement, tellement d'envie et tellement de soif de ce que m'a apporté aussi l'école des Roches, l'école hôtelière, c'est cette soif, pas de perfectionnisme, mais cette soif d'aller plus loin en fait. On te dit que tu es capable, ce qu'on n'avait pas à l'école de commerce ou à l'école obligatoire. Et là, on dit, si tu veux, tu peux. Et puis là, tu te rends compte, les Discours cinq différents. premières fois qu'ils disent, moi, je peux pas. Je parle pas toutes les langues. Je suis pas assez cultivé. Je suis pas assez. Mais en fait, c'est vrai que si tu t'intéresses un petit peu et que si tu as des objectifs et que si tu as vraiment envie de bien faire, ben, en fait, tu te rends compte que tu peux. Et puis, ils avaient tout à fait raison. Aujourd'hui, j'ai des profs d'école hôtelière qui viennent manger et on rigole sur plein de trucs, que les profs soient allemands, italiens, grecs, égal, parce qu'il y a des profs aussi du monde entier. Mais Moi, je connais un prof grec. ouais, non, mais il y a en plus des profs du monde Oui. entier. Honnêtement, c'est tellement intéressant et ça te pousse à aller plus loin, juste pour leur dire, regarde, tu m'as dit que c'était possible. Regarde, je suis en train de le faire. Ouais. Tu étais strict avec moi, tu m'as tout expliqué les choses. Regarde, j'arrive à le faire. Ouais. Et je vais continuer parce que je peux aller encore plus loin. Et qu'est-ce qui, quand ils viennent manger ici, Ben, je pense qu'est-ce qu'ils ils pensent de sont ce truc, fiers. de qui t'es devenu maintenant? Ben, ils sont fiers. Et puis, je pense qu'ils sont fiers parce que dès qu'ils ont un peu des groupes qui viennent de l'étranger ou des groupes d'étudiants, ben, ils viennent tout le temps manger ici. Ils expliquent toujours l'histoire. Comme quoi j'étais un étudiant de l'école, que c'est possible. Après, moi, j'ai eu de la chance aussi, mais c'est vrai que c'est possible. Si on veut, si on va chercher l'opportunité, on peut. Ouais. Mais après, il faut aller chercher. Faut se donner les moyens, Et quoi. une fois que l'opportunité est là, il faut la saisir. Et c'est le plus important. Parce que des fois, on a des opportunités, on se dit non, mais c'est pas pour moi. Parce que c'est un gros risque. Ouais. De se dire, moi j'étais à Miami, moi j'ai eu l'opportunité à Crans-Montana. Moi, quand j'étais à Miami, dans mon optique de vie, c'était pas du tout de rentrer à Crans-Montana. Je me disais, moi je vais faire le tour du monde, je vais travailler dans les plus grands restaurants du monde, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer de m'épanouir à l'extérieur. Et en fait, c'est vrai que c'était un sacrifice, quelque part c'était un sacrifice, mais en même temps l'opportunité. De se dire, je vais travailler pour moi si tout se passe bien, parce que je devais quand même prouver quand je suis arrivé. Et après, tu fixes des objectifs, et honnêtement, ça va presque tout seul. Ça va tout seul avec beaucoup d'heures de travail, mais ça va tout seul. Ouais, ça fait partie, hein. Ouais, ça fait partie du jeu, Ça c'est fait partie sûr. du jeu. Quand tu signes pour des responsabilités, il y a le bon côté et il y a le mauvais côté, hein, toujours. Il y a une phrase, je sais pas si je vais la dire juste, mais qui m'a toujours plu, c'est que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage, c'est le fait de le faire, de tous les jours, le travail, tes objectifs, c'est ça qui est intéressant. Le jour où t'as réussi ton objectif et que t'as accompli quelque chose, ben oui, t'es content, mais c'est le voyage, quoi, qui est intéressant, au Ouais, final. exact. C'est le jour après jour et puis les expériences que tu fais, quoi. Exact, c'est pour ça qu'il faut continuer à se pousser. Et le plus dur, c'est de se challenger soi-même. Ouais. Parce que quand tu travailles pour, disons pour quelqu'un, je ne dis pas que c'est facile de travailler pour quelqu'un, mais tu sais qu'on t'a donné les tâches, tu dois accomplir ces tâches-là. Mais quand tu dois te créer toi-même les tâches, et quand tu dois toi-même te dire, écoute, là, ça va pas, je dois changer ci, je dois changer ça, c'est beaucoup plus dur de se remettre en question soi-même que quand quelqu'un nous dit, écoute, ça va pas, tu dois faire ça comme ça. Prendre plus de temps, ben je resterai volontiers encore à discuter, mais Encore 10 heures. tu as pas mal de choses à faire, j'imagine. Je voulais te remercier pour tout ça. C'était vachement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont beaucoup apprécier entendre ton expérience. Il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, venez au Mosaïque, c'est à Caen. C'est un restaurant, une brasserie française, c'est juste. C'est une brasserie internationale, ouais.
Bassin national, ok. Donc là, il y a la terrasse qui est ouverte. Venez profiter quand il fait beau, puis même quand il Même fait quand il froid, neige, même quand il parce qu'il y avait neige. des gens ce soir Il y avait alors des qu'il gens ce soir, neigeait. donc ça prouve que ça vaut la peine. Ou même venez boire un verre. Milan, il sera toujours là pour vous accueillir au top. Comme moi, chaque fois que je suis venu, moi et ma famille nous a toujours accueillis au top. On s'est toujours senti unique et ça, c'est important. Ça fait partie de l'expérience. Même les enfants, ils en parlent tout le temps. D'ailleurs, je leur ai dit que je venais chez toi, alors ils étaient tout excités. Mais pourquoi tu vas chez On peut venir aussi. Alors voilà, donc c'est sur les réseaux sociaux, c'est quoi le. T'as Alors, trouvé comment? sur Insta, c'est Mosaïque 2016. Ouais. Sur Facebook, c'est Mosaïque Cromontana. Mais vous allez trouver hein, Sur Google, MOSAIC. Mosaïque Cromontana, puis on trouve. Cromontana, vous allez trouver. Nous, on est, voilà, nous, notre métier, c'est de vous servir. Nous, notre plaisir, notre passion, c'est de vous servir, les assiettes, que ce soit le service. Donc, nous, on a une équipe vraiment qui a plaisir à faire ça. En tout cas, nous, on cherche une équipe toujours, qui a plaisir, à faire ça. Et voilà, Ah, j'ai toujours maintenant, vous trouvé, voulez. si je peux te dire un truc, j'ai toujours trouvé que ton personnel, ton équipe, c'était comme une extension de toi. J'ai l'impression que vous avez la même optique, même vision du travail que vous devez faire. Et ça, à certains endroits, tu vois qu'il y a certains employés qui sont peut-être un peu décalés. Et bah, ici, j'ai l'impression que c'est une extension de toi, quoi. Vous êtes orientés tous vers le même objectif, quoi. Ben, écoute, honnêtement, on a pas mal de chance, on a pas mal de gens qui sont restés là depuis le début. Et c'est vrai qu'on s'entend très bien, on est une équipe assez jeune, on a tous moins de 40 ans. Et Désolé pour ceux de plus de 40 ans. non, non, pas désolé, parce que c'est comme ça, on est une boîte de jeunes. Je Bah dis, oui. il y a les plus de 40 ans, ils sont. Bien entendu, ils sont acceptés, même à travailler. Je dis, c'est pas l'âge qui fait tout. Mais je dis, c'est vrai que ça fait plaisir de travailler avec une équipe jeune et passionnée. Oui, ça Parce c'est qu'on a de la important. chance qu'on a des gens vraiment qui sont passionnés par le métier, que ce soit en cuisine et en salle. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, la restauration, autant pour eux que pour nous. Mais on a vraiment, vraiment plaisir à. Bah, si tu veux, à l'avenir, on pourra faire une partie 2 et en discuter un peu plus de ton aventure ici à Mosaïque. Et je voulais te remercier Ouais, pour merci ton à toi, temps. honnêtement, c'était un chouette moment, c'est toujours cool de Bah, partager grâce à tout ça, on a ça. pu discuter, parce que sinon, on n'a Bon. jamais le temps, jamais l'occasion. Ouais, c'est vrai que Merci Milan. merci à toi, Fabio. À bientôt tout le monde. Prochain épisode.